rushes to me, sidewalk brings my feet, rev their head down. There's no direction given, just some trust in human mind to rely on and to hold on to. Honestly, don't know where I land up at last. Won't you count the days? One thing I sure know, I won't move so fast. My mind can't bleed. Pass by and dance up when there's no one to see. There's no one here but me. I'm fooled by something inside my head. If I lay down now. L'anis vert est une plante herbacée de la famille des apiacées comme le persil et la coriandre. C'est une plante annuelle ou bisannuelle dont les fruits sont utilisés pour la confection des liqueurs, les feuilles comme herbe aromatique et les graines comme condiment. De sa ribambelle de nom français, on peut citer l'anis cultivé, l'anis musqué, l'anis officinal, la pimpinelle et j'en oublie. En anglais, on l'appelle sweet cumin ou anis. Connue comme l'une des plus anciennes épices consommées et citées dans la Bible sous le vocable aneth en référence à la dîme qu'offraient les scribes et les pharisiens, l'anis vert est originaire du Moyen-Orient et se répand dans tout le bassin méditerranéen. C'est Charlemagne qui ordonne sa culture dans les jardins de France en 812. L'anis vert pousse haut et ses fleurs s'affirment au bout de ses tiges comme pour défier la pesanteur. On dit que l'anis vert soigne particulièrement les épaules et le cou, là où se portent tous les fardeaux de l'existence. S'il dégage les tensions des épaules et du cou, c'est pour permettre à l'homme de redresser la tête. D'ailleurs, l'anis vert pousse à hauteur d'homme. C'est un signe. Mesdames et messieurs, voici votre magazine. L'anis vert est très bon pour la santé. Il stimule la formation des globules blancs ou leucocytes qui assurent les défenses immunitaires. Il est dans ce cadre un tonique apprécié qui stimule une multitude de fonctions du corps et qui par conséquent est efficace contre les infections et accroît le rendement des cellules nerveuses. C'est une épice qui a la vertu d'activer les sécrétions, de renforcer le cœur, de stimuler la digestion, de combattre les flatulences et de permettre la facilitation des échanges respiratoires. Cette plante aide en général à lutter contre la maladie. On dit donc de l'anis qu'il est diurétique, carminatif, digestif, antispasmodique, expectorant, stomachique et stimulant. Une manière simple de profiter des bienfaits de l'anis vert est de l'utiliser en infusion. Par exemple, pour un effet tonique du système nerveux et de l'appareil digestif, il faudra faire bouillir pendant 2 minutes 1 quart de litre d'eau et y faire infuser pendant 10 minutes 5 g de graines d'anis vert écrasées, 4 à 5 étoiles d'anis étoilées ou quelques feuilles d'anis vert. Pour l'insomnie, la nervosité, les douleurs, les taux élevés de sucre dans le sang et la tension élevée, faites tout simplement bouillir ensemble l'eau et 2 cuillères à café de graines d'anis vert moulues. Pour les crampes nocturnes, il faudra prendre une tasse de cette composition à 22h ou une demi-heure après un dîner. Elle aidera à détendre vos muscles et à vous endormir profondément durant 7 heures de temps. Cependant, malgré l'action positive des graines et des feuilles d'anis vert, son huile essentielle est proscrite si l'on ne connaît pas parfaitement sa physiologie et ses limites. On laissera donc l'utilisation de son huile essentielle à ceux qui veulent s'aventurer au-delà du possible. En outre, comme nous l'avons déjà dit, l'anis vert ne cause aucun souci s'il est utilisé correctement. Écoutons l'astuce du jour à ce sujet. Tout comme les autres épices, l'anis vert doit être utilisé avec parcimonie dans toutes les préparations qui le sollicitent. S'il est employé en grande quantité, il peut, au lieu d'améliorer une sauce ou une confiserie, la dégrader plutôt. En plus, il faudra toujours introduire l'anis vert vers la fin de la cuisson pour préserver son parfum alléchant. Restez des nôtres pour d'autres astuces.
Dans le registre des apprêts culinaires qui affectionnent l'anis vert, on parlera des sauces à la viande ou au poisson, des légumes, des soupes, des crèmes, des salades, des compotes, de la volaille, des gâteaux, des biscuits, des tartes et des pains notamment. L'anis peut se substituer ou se mélanger à des épices telles la cannelle et la muscade. Il est très employé en confiserie pour la réglisse, les dragées et les bonbons. L'anis vert est aussi utilisé en liqueuristerie, relatif aux liqueurs. Il est très utilisé dans les cuisines arabes et indiennes. En Inde, l'anis vert peut être présent dans les curries, les saints épices et le garam masala, des mélanges d'épices relevés. En Afrique, l'anis vert s'utilise dans plusieurs préparations. Au Cameroun, par exemple, les Bamileke l'introduisent dans le Kondré, un ragoût de plantain associé aux protéines animales et coiffé d'huile de palme de première pression. En Afrique du Nord, les ménagères préparent une sauce de boulettes de viande de bœuf à l'anis et au poivron. En Afrique du Sud, on utilise l'anis vert pour parfumer plusieurs pâtisseries. Aujourd'hui, Recette Universelle emploie l'anis pour éveiller les sensations olfactives de ses convives, et même à travers votre écran de télévision. Voici le bœuf saveur anis, dont l'onctuosité due au ginseng chargé de saveur de viande bovine anisée vous fera tout de suite fondre. Placez cette sauce sur un buffet avec comme entrée froide classée VIP la fumbanaise de tomate à l'ail et vous découvrirez très vite à quel point elle a du succès. Regardez. La cuisine a un nouveau langage. La pédagogie diététique, une nouvelle écriture. Recette universelle est un menu de 9000 recettes des peuples africains et tropicaux. Une information profonde et précise sur l'art culinaire, ses contours diététiques et l'histoire des épices tropicales. Entrez dans les arcanes de ces recettes ancestrales et acquérez les bons réflexes de cuisine. Cherchez le savoir et le jugement sur votre alimentation et forgez-vous un style de vie bénéfique par une alimentation équilibrée. Recette universelle, c'est désormais la mise en évidence des senteurs du continent noir pour les saveurs les plus fines d'autrefois. Une expérience savamment partagée aux générations présentes et un héritage pour les générations futures. Des recettes comme vous n'en avez jamais vu. Recette universelle, une création de l'Afrique, une nouvelle pour le monde. Pour la préparation, pour 4 personnes et pour 2 repas par jour, vous avez besoin d'un kilogramme et demi de viande de bœuf, des carottes, des tomates moyennes, des oignons moyens, du sel, du gingembre, quelques feuilles de basilic à petites feuilles, des bouillons de bœuf, une cuillère à café d'anis, du poivre blanc, un piment, des haricots verts, des poivrons moyens, d'une poignée de ricino dendron et de laitie ou ginseng, du persil, de l'huile raffinée et de l'ail. Chez moi, vider ma tête de solitaire.
Recette universelle intègre dans sa cooklist la cuisine de trois volatiles à travers saveurs africaines à la dinde, au poulet et au canard. Un livre qui se démarque des grands classiques africains de par l'innovation caractéristique qu'il s'approprie. Trouvez-y les principes et les codes de dépeçage d'une volaille en Afrique et le pacte qui régit le partage de ces morceaux en famille. Les informations pour réussir sa cuisine africaine de volatile, les ingrédients et épices à utiliser, les astuces et modes de cuisson pour une volaille moelleuse et fondante. Un bel ouvrage de cuisine, de gastronomie et de nutrition qui permet de mettre en valeur la finesse des plats d'une grande subtilité et la texture de la dinde, du poulet et du canard. Des plats qui surprennent par leur qualité gustative aussi bien que par leurs propriétés nutritionnelles. Subtilement parfumés, les plats du livre rose aux trois volatiles arborent une vraie farandole de couleurs, d'arômes et de saveurs qui séduisent les palais les plus exigeants, quels que soient les lieux et les climats. Une cuisine d'apparence libre et épanouie, mais qui puise au travers des goûts d'autrefois l'identité culinaire de cette Afrique cœur des tropiques. L'ouvrage vous offre une parfaite illustration de notre savoir-faire unique, savoir-faire auréolé par ses valeurs professionnelles que défendent les membres de l'équipe de recettes universelles. Toute la cuisine, en images et au moindre détail, comme à la télé. Déjà disponible dans les librairies et chez votre marchand habituel. Morceler la viande. Pochez-la sans eau avec les oignons et du sel. Après 10 minutes, ajoutez-y de l'eau et laissez cuire 20 minutes. Équeutez les haricots verts, effilez-les et hachez-les. Après avoir lavé les carottes, grattez-les et coupez-les en julienne. Émincez les tomates. Coupez le pédoncule des poivrons verts et épépinez-les. Hachez menu les oignons et l'ail. Nettoyez le gingembre. Écrasez ensemble le gingembre, les feuilles de basilic et le ricinodendron. Délayez ce mélange dans un peu d'eau. Faites moudre le poivre blanc. Le fruit de l'anis vert est un stimulant général des systèmes cardiaques, respiratoires et digestifs. Il est à la fois sédatif du cœur, des poumons, de l'estomac, du foie et des intestins. Il est aussi diurétique et galactogène. Les graines d'anis vert sont souvent prescrites aux nouveau-nés et aux enfants souffrant de coliques et à tous les âges en cas de nausées et d'indigestion. Elle contribue à traiter les problèmes d'impuissance et de frigidité, les palpitations, les vertiges, les migraines et les crampes nocturnes. Elles sont aussi conseillées après les opérations contre la fatigue générale.
Pour la cuisson, dans 10 cl d'huile chaude, jetez la tomate. Ajoutez l'oignon, brassé. Lorsque la tomate a tari, ajoutez les carottes, le piment, les poivrons et le haricot vert. Brassez. Après 10 minutes, brassez et ajoutez la viande et son fond. Brassez encore et goûtez. Ajoutez les bouillons. Attendre encore 8 minutes. Joignez le poivre blanc. Après 2 minutes, ajoutez l'anis, le persil et une branche de basilic. Ôtez la marmite du feu. Retrouvez cette recette dans notre livre de poche Le Grand Menu en vente dans les kiosques et chez votre marchand habituel. Sous d'autres cieux, pour lier les sauces, on utilise les farines de maïs ou de blé. Mais nous, en Afrique, on utilise souvent le ricino d'andron et de lotis ou ginseng pour le même résultat. En plus d'être un liant, le ricino d'andron a l'avantage d'être un oléagineux dont la structure de l'huile concurrence celle de l'huile d'olive. En outre, le ginseng est aussi un assaisonnement. L'anis vert est très efficace dans les troubles gastro-intestinaux liés au surmenage ou la nervosité occasionnant la perte d'appétit ou les spasmes douloureux des voies digestives. Il calme l'aérophagie et les flatulences. Joint à l'aneth, l'anis s'emploie contre le hoquet et les vomissements. Il calme donc l'estomac douloureux et les menstrues difficiles. Il est aussi salutaire dans les coliques nerveuses des enfants. Pour la salade, la fumbanaise de tomate à l'ail, il faut noter qu'elle est une belle création des laboratoires culinaires de recettes universelles et appartient à la haute cuisine africaine. Cette entrée vous surprendra par son goût extraordinaire et sa présentation conviviale. Voici les ingrédients qu'il vous faut avoir sous la main. 5 longues tomates fermes de type ternissant, quelques gousses d'ail, du persil, de l'huile d'olive, du miel, du sel, quelques graines de poivre blanc, 4 œufs, de la moutarde et du vinaigre. Faire bouillir de l'eau. Coupez les têtes des tomates et introduisez-les dans de l'eau bouillante pour 2 minutes. Il faudra que l'eau soit à hauteur des tomates. Enlevez-les et plongez-les aussitôt dans de l'eau froide. Écorcez les tomates. Notez qu'il n'est pas nécessaire d'écorcer les tomates lorsque la recette est destinée aux diabétiques et au régime amaigrissant. En fait, la totalité des fibres de la tomate réside dans la peau et les graines.
enlever les cœurs de tomates. Écrasez le poivre blanc. Après avoir cuit les œufs à la coque, écalez-les. Coupez deux œufs en rondelles et coupez les deux autres au milieu de manière à enlever les jaunes sans les désagréger. Pour la vinaigrette, dans une assiette, mettez une cuillère à soupe de vinaigre, une pincée de sel, une noix de moutarde et deux pincées de poivre blanc moelleux. Fouettez à l'aide d'une fourchette. Versez l'huile en filet fin dans la composition en fouettant continuellement jusqu'à ce que le mélange s'alourdisse et devienne homogène. Ajoutez l'ail coupé finement et le persil ciselé. Fouettez. Ajoutez le jus de tomate. Enrobez les tomates de cette composition et gardez-les au frais pendant 30 minutes pour macération. Observez l'homogénéité de la vinaigrette sur les tomates. C'est un signe qu'elle a été bien faite. Si elle est mal faite, l'huile se sépare de la composition et donne un vilain aspect aux tomates. Il est aussi à noter que cette vinaigrette est une vinaigrette de haute qualité. Dressez la tomate dans un plat, deux ouvertes et deux recourbées, en mettant les blancs d'œufs courbés et les jaunes de part et d'autre. Mettez quelques blancs d'œufs hachés dans les tomates ouvertes. Servez. Bon appétit. Le repas est prêt. Cette recette est tirée du GM, le grand menu. Elle est riche en protéines, en fibres, en lipides et en glucides. Comme potentiel minéral, on y trouve du fer et du calcium, du magnésium et du phosphore, du potassium et du zinc, ainsi que du bêta-carotène et des vitamines du groupe B et C. C'est un plat indiqué pour les grands fatigués pendant les périodes d'examen ou de bilan d'entreprise, pour la toux des grands fumeurs, les bronchitiques chroniques ou les asthmatiques, les toux de type coqueluche, les hypertendus, les diabétiques et pour les personnes à l'immunité déficiente. Il est aussi recommandé aux femmes allaitantes puisque l'anis présent dans ce repas a la propriété d'augmenter la quantité du lait maternel. On dit alors qu'il est galactogène. En association avec les graines de fenouil et de cumin, les graines d'anis vert donneront aux nourrices un lait aromatisé à l'anis pour le grand bonheur des nourrissons. Voici en plus trois recettes que vous voudrez bien insérer dans votre menu hebdomadaire. La tagine de mérou à la coriandre, la mûre sauce rouge et les feuilles de citrouille à cannelure aux graines de courge. N'oubliez pas d'associer à votre alimentation des constituants nécessaires de sources végétales que vous trouverez dans les légumes et les fruits. Envoyez vos remarques et suggestions à cameroonmedia@yahoo.fr ou à universalmedia BP4458 Douala au Cameroun. Bon appétit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Hasta la vista.